Bienvenue pour vos prévisions météo sur les Hautes-Alpes et Lubaye. Ce vendredi, c'est le retour d'un temps généralement bien ensoleillé sur les Alpes du Sud. En cours de journée, quelques voiles d'altitude circulent dans le ciel et quelques cumulus se forment vers les cimes frontalières. Les températures matinales sont encore basses avec des gelées pour quasiment toutes les vallées, de moins 8 dans le Haut-Guil à 0 degré sur Embrun. On aura à moins 4 à Briançon et à La Forie. En cours de journée, ces valeurs sont en hausse, avec 8 degrés dans la Clarée, jusqu'à 16 dans le Gapençais et le Rosanais. Il fera 9 en Haute-Hubaye et 13 dans le Champsaur. En montagne, l'isotherme 0 degré est en hausse vers 2000 à 2100 mètres. Le vent vers 3000 mètres s'oriente au sud. Il est faible en général, 10 à 30 km/h sur les crêtes. La lombarde est encore présente dans les cols frontaliers. Samedi, c'est une assez belle journée qui s'annonce pour débuter le week-end avec un soleil parfois voilé par des nuages d'altitude, mais qui laisse tout de même une sensation de beau temps. Le mercure retrouve des couleurs printanières avec 14 à 20 degrés en vallée du nord vers le sud. Dimanche, lundi et mardi, peu de changements à attendre. Le beau temps perdure durant ces 3 jours. Le mercure, qui atteindra et dépassera les 20 degrés dans de nombreuses vallées du sud dimanche, se maintiendra dans une relative douceur en début de semaine prochaine. Vendredi 28 mars, le soleil affichera encore 4 minutes de plus à son compteur. Nous fêterons les Gontrans, qui nous annoncent avec le retour de la douceur l'arrivée des hirondelles. Je vous souhaite une bonne soirée sur DC TV. On se retrouve demain pour votre météo d'ici. À la réviste.